Madame, Monsieur, bonsoir, donc bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mercredi 11 juillet 2018. Bonne fête à Benoît et bienvenue à tous. Alors, nous sommes en finale. Donc, on va vous passer un petit peu les images de ce qui s'est passé hier soir. Vous allez voir, c'était de la folie à Montluçon. Nous connaîtrons son adversaire ce soir. Ce sera l'Angleterre ou la Croatie. Donc, c'était la fête hier soir dans les rues de Montluçon. Ils étaient des milliers à fêter la victoire des Bleus. Une ambiance de folie collective durant une bonne partie de la nuit. Allez, retour en image, en direct du glacier, du boulevard de Courtais et de la place Picard. Quel meilleur Greg, voilà. Oh, 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. 2-0 pour la France. 2-0, très bien, circuler. Combien vous la France? Alors, chez toi, c'est blindé, il y en a partout, on ne sait plus où s'asseoir. Comment va se passer la soirée, mon avis? Ben, comme chaque soir, hein, on va être là, on va être présent et on va leur en donner. Alors, donne-nous un pronostic pour ce soir. On va voir si tu diffères des autres. Oh, ben, je vais faire simple, 1-0 pour la France. Tu voilà. Nous réserves un truc sympa si on va en finale? Oui, ça sera une surprise. Une soirée d'enfer. On verra. Alors, donc, touche chez mon copain Francis pour dimanche en finale. On s'y prend un petit peu en avance et on y croit. Il faut que ça se fasse. Et vu le monde qui est en glacier aujourd'hui, on devrait gagner. Normalement, ça va se faire. Pas de problème. On venait tous derrière. J'ai juste une table de Belges qui sont juste devant, des suicidaires. Ah ouais. Ouais. Allez, pronostic pour le match. 2-1 pour Belgique. Et vous? 2-1 aussi. Bah. Et vous n'avez pas peur avec tous ces Français autour là? Les Français sont très gentils, hein. Vous êtes 4 seuls Belges, ça va être chaud. Bon, si vous gagnez, on fera la fête pour vous. Pronostic pour ce soir. 3-1 pour la France. Moi, je dis 2-0. En direct de Montluçon, la France en finale. Ouais, rendez-vous dimanche au château des Bourbons sur les planades avec un écran géant.
Les gars, la France en finale, alors content ? Énorme, on va passer une nuit magique, ça rassemble tout le monde est content, tout le monde fait ça. C'est super, c'est magique. Le signe de la finale, c'est quoi ? France contre qui ? Victoire de la France, évidemment, mais pour contre l'Angleterre. Pour moi, c'est 3-0 comme en 98, 20 ans après 98, 3-0. Sûr ? 3-0. Ah oui, sûr. 3-0, dans temps réglementaire. Bien sûr, temps réglementaire, il n'y aura pas photo. Allez, les bleus ! Alors, content de cette belle soirée ? Et bien, surtout que j'avais dit 1-0, rappelle-toi tout à l'heure. Donc voilà, c'est fait. C'est fait. Maintenant, dimanche, on va refaire la même. On fait la même, encore plus de monde. En second, c'est parti. C'est parti, on y va. Et on gagne. On gagne. Et contre qui alors ? À ton avis ? À toi aussi. Ah, je suis pas de ton avis. C'est des chiens, les Anglais. Hein. Attends demain soir. Voilà, tout à fait. Tu vois, c'est une belle fête au glacier là. Ah, excellente, excellente. Et la Belgique, et la Belgique, Belgique, Bella ciao. Allez la France, au final. Vous êtes en vacances, vous êtes de la région. Allez, on va vous faire découvrir un magnifique coin dans la Creuse. On part sur un site magique, le site des pierres Jomates à Toul-Sainte-Croix, c'est à 6 km de Boussac. Un espace de jeu, un espace de détente, c'est pour toute la famille, pour passer un bon après-midi. Allez, on part dans la Creuse. Aujourd'hui, donc, je suis dans la Creuse, sur le site des pierres Jomates. Je vous raconterai l'histoire un jour des pierres Jomates. Il y a plein de légendes, il y a plein d'histoires un peu qui sortent de l'ordinaire. Nous sommes atterrés au chalet des pierres Jomates. Nous avons déjeuné. Je vous jure, c'est un endroit goûteux et à venir sans modération. Venez goûter la viande, c'est les produits du terroir. Même les pommes de terre sont du terroir, les tomates sont du terroir. Donc n'hésitez pas, c'est une bonne table et une bonne adresse. Et on va vite rencontrer les responsables du chalet des pierres Jomates à Toul-Sainte-Croix. Bonjour Patrice, comment vas-tu ? Ça va bien ? Très bien, en plus c'est un soleil magnifique. Alors là nous sommes donc au chalet des pierres Jomates. Alors ça se trouve dans la Creuse, de nous un petit peu l'implantation. On se trouve où ? À quel endroit ? Comment on fait pour venir ? C'est assez facile, c'est entre Guéret et Montluçon. Vous prenez direction Boussac et on est à 6 km de Boussac. À 2 km de Toul-Sainte-Croix et on est au pied des pierres Jomates. Alors donc ici c'est un site magnifique, on y retrouve un restaurant qu'on va... On va parler tout à l'heure, mais on a surtout, on a de l'acrobranche, on a du laser game, on a des jeux pour enfants. On a aussi la balade aux pierres Jomates, qui est très sympathique en famille. Vous avez les activités trampoline, château gonflable, acrobranche pour les plus petits et acrobranche aussi pour les grands. Donc à partir de 3 ans pour les tout petits, ils évoluent dans des filets. Et après, à partir de 8 ans, 1m30 pour les grands. On a aussi un laser game d'extérieur. Alors ça, c'est sympa. C'est un peu comme un laser game d'intérieur, sauf que vous évoluez en extérieur, donc il fait un peu plus frais, ça bouge pas mal. Et ensuite, après, mini-golf, pour ceux qui veulent plus une détente tranquille. Glace, crêpes, on peut se reposer, on peut prendre un bon moment. Il y en a pour tous les goûts. Tic et tac. Tic et tac, ils sont là pour vous sauver la vie. Vous êtes d'accord ? Ils sont là pour vous sauver la vie.
Alors, le chalet des Pierre Jomatre, donc, on y mange le midi, on se promène, on se détend, on fait une pause glace, mais il y a aussi des soirées le soir. Donne-nous un peu d'informations. Alors, bon, déjà, c'est facile, on est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. Donc, on n'a pas de jour de fermeture du 1er avril au 30 septembre. Le premier samedi de chaque mois, on fait un concert. Le dernier samedi de chaque mois, on fait une soirée fruits de mer. Tous les vendredis soirs, moules frites. Ensuite, après, cet été, on va doubler, on va faire un concert le 12, on aura Let's Go qui va venir nous voir. Et ensuite, après, au mois d'août, on va voir Bœuf Caladine qui vont faire une date supplémentaire pour les concerts. Alors, on va rappeler un peu les dates d'ouverture et les dates de fermeture. Alors, tous les jours, 7 jours sur 7, du 1er avril au 30 septembre. Et ensuite, après, le reste de l'année, on est ouvert les week-ends, les vacances scolaires et les jours fériés. Décembre, janvier, février, c'est fermé, on fait les travaux, on arrange un peu pour se préparer pour la saison d'après. À demain, 19h, donc ce soir à la télé, le match à 20h, Croatie-Angleterre, et sur M6, zone interdite. Alors, bonnes vacances à tous ceux qui le sont, et portez-vous bien.